On voulait mettre un match dans la période de 15 jours avec la coupure de la Coupe de France, là, étant donné qu'on avait été éliminé. On voulait mettre un match et on l'a mis aujourd'hui parce qu'on voulait avoir Antonetto avec nous. Et que si on l'avait mis au départ, on avait plutôt pensé le mettre en fin de semaine dernière. Et il n'aurait pas pu être là, il n'aurait pas pu jouer. Donc voilà, le premier objectif, c'était de pouvoir permettre à Antoine de rejouer sur un contexte de match. Continuer aussi à remettre Tony Mendy avec nous, parce que mine de rien, il avait été absent longtemps. Et en plus, avec le coup qu'il avait pris à l'œil avant la Svel, il ne s'était pas entraîné les trois jours précédents. Donc ces deux joueurs qui nous avaient manqué sur la fin de l'année précédente et qu'on voulait réintégrer un petit peu plus. Voilà, donc c'était le premier objectif. Et puis après, c'était continuer à travailler sur les différentes façons dont on veut faire évoluer l'équipe. Il faut absolument qu'on progresse sur le contrôle qu'on a offensivement du ballon, parce qu'on est la dernière équipe en termes de balles perdues, ce qui est quand même une statistique qui est importante. Donc il faut absolument qu'on progresse là-dessus. Après, il faut qu'on progresse sur les différentes collaborations, mais comme toute équipe qui arrive en milieu de saison, qui a déjà travaillé, mais qui a besoin de continuer son évolution. Il va apporter sa qualité première, qui est quand même son engagement. Défensivement, c'est vraiment un des arrières du championnat qui peut avoir un rôle très important dans une équipe. Donc déjà, il va nous permettre de défendre un petit peu plus fort sur l'extérieur. Et après, il va apporter en attaque du rythme, voilà, son enthousiasme. Il a quand même une qualité de passe, il peut mettre des points. Bon, même si ce soir, il n'a pas été en réussite sur les tirs extérieurs, on sait que c'est un garçon qui a pris une autre ampleur depuis la saison dernière et qu'on a vraiment besoin de lui. Il ne jouera pas à Toulon. On espère qu'il puisse jouer contre Pau. Voilà. Et Cal, il continue sa réathlétisation. Donc c'est plutôt positif, c'est qu'il court. Il fait voilà, on suit l'évolution au jour le jour, mais c'est plutôt positif. C'est une équipe qui déjà est en grande forme et ils ont gagné leurs trois matchs en mois de janvier. Voilà. Donc c'est à nous d'être prêts à répondre présent contre une bonne équipe qui est actuellement en réussite. Ils ont fait un très bon match en Coupe de France contre Chamois avec une grosse adresse à 3 points. Après, ouais, c'est une équipe qui a faim, où les joueurs ont faim. Certains, c'est la première fois qu'ils évoluent en Pro A. C'est une équipe qui est très très difficile à jouer et qui s'est montrée combative sur tous les matchs, très combative, voire sur tous les matchs qu'elle a effectués jusqu'à présent. Pas perdre de ballon et avoir une cohésion défensive supérieure à ce qu'on a eu ce soir, retrouver un petit peu la cohésion défensive qu'on a eu à Dijon. Voilà, il faut qu'on soit dans ces standards-là.